au stade olympique de Bimpe que se sont ouvertes les portes de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Aujourd'hui, 11 février 2024, les portes de cette compétition continentale se referment avec la victoire de la Côte d'Ivoire sur le Nigeria 2-1. La Côte d'Ivoire est donc au sommet de sa CAN qu'elle a organisée. Au soir de cette victoire, c'est la fête ici à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. C'est Dieu! Troisième étoile! C'est Dieu! Allez, champion d'Afrique! Champion d'Afrique! 3 étoiles! La CAN, c'est chez nous, ça reste ici! On a dit 3 étoiles! Oui! On n'a plus rien à prouver! Thank you, Morocco! Thank you! Et nous sommes très heureux pour cette victoire! Très heureux! Champion d'Afrique! Allez! On est super, super heureux. Hein? On est fiers d'être Ivoiriens. La CAN a été organisée en Côte d'Ivoire et le trophée est resté ici. Y'a pas long ou non? Dieu lui-même, il nous a façonné, il a dit levez-vous, montrez à toutes les nations que c'est vous qui êtes les plus forts. Montrez qui est l'éléphant. Je suis vraiment très, très, très fière des éléphants. Je n'ai pas fait le déplacement cadeau. Je suis quitté à Paris, je suis arrivée. Nous disons merci à nos pachydermes, voilà, qui ont su mouiller le maillot, qui ont donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes. À la champion, à envoler, à la champion, à envoler. Aujourd'hui, on est venu après la victoire. On est resté optimiste, début jusqu'à la fin. Et voilà, nous, on a pris la coupe. C'est ainsi, tout a été commencé et c'est ainsi, ça s'est terminé aussi. Et j'ai envie de dire, c'est une CAN qui va marquer l'histoire du football africain. Je veux dire simplement merci à Dieu pour cet exploit réalisé. Bravo à nos éléphants. C'est la Côte d'Ivoire, on joue le cœur. Quand on joue le cœur, il n'y a rien qui peut nous arrêter, surtout chez nous à Abidjan. Chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Choukran Maroc, choukran. On est les champions d'Afrique. On est champions d'Afrique. Maroc, s'est levé.